you, Father. We bless your name. We love you. You are great. And without you, we are nothing. Yeah. Need you so much. Béni soit Jésus-Christ, béni soit sacramenteur, béni soit son nom. Béni soit-il. Quand il descend. Sa puissance. Voilà, bonjour à tous. Que la main de Dieu qui surpasse toutes choses soit ton partage au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons Dieu pour cette nouvelle journée. Merci au Saint-Esprit, à sa fidélité, à sa majesté le Dieu des armées qui nous a permis encore ce matin de pouvoir partager ensemble. Hier, ça n'a pas été possible et aujourd'hui, c'est possible. Tout dépend de celui qui donne les jours aux hommes. À lui la gloire, l'honneur, la louange pour l'éternité au nom souverain de Jésus. Alors, disons merci au Seigneur pour cette journée. Disons-lui merci pour sa grâce, pour sa faveur. Dis-lui merci pour les souffles de vie qu'il t'accorde encore ce matin. Sommes dans la prière au nom souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, te disons merci pour ta grâce, merci pour cette journée, merci pour ta faveur, merci pour le souffle que tu nous donnes encore. Seigneur, c'est par toi que nous vivons, c'est par toi que nous sommes encore là, ce matin à écouter cette parole. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit honoré pour l'éternité, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons demander au Seigneur de nous orienter tout au long de cette journée. Demande, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de faire les bons choix, les meilleurs choix de ma vie tout au long de cette journée. Nous prions au nom souverain de Jésus-Christ. Père, te bénissons et nous demandons la grâce de faire les bons choix tout au long de cette journée. Les meilleurs choix, les meilleurs, Seigneur, que nous ayons jamais fait dans le nom souverain de Jésus. Nous prions que des erreurs de choix nous en soyons préservés. Toi, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu sais ce qui est bien pour nous. Seigneur, parfois nous-mêmes ne connaissons pas ce qui est bien pour nous, mais toi, notre Père, qui nous aime tendrement, tu sais ce qui est meilleur pour nous. Conduis-nous vers ce qui est meilleur pour nous. Même si parfois nous ne comprenons pas, mais nous demandons que ta volonté s'accomplisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Disons Amen, tu dis Amen et tu crois que l'ange de l'Éternel marchera devant toi. Il te conduira sur le droit chemin. Il t'aidera à faire le meilleur choix de ta vie en ces journées. Personne ne fera de mauvais choix dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous allons demander à Dieu, nous allons faire une prière au Seigneur Jésus. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas que les mauvaises personnes s'associent à moi en cette journée. Voilà, nous ne voulons pas être associés aux mauvaises personnes. Éloigne de moi les mauvaises personnes, Seigneur. Éloigne de moi les mauvaises associations, et donne-moi d'être attaché aux bonnes personnes. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Père Saint, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'en cette journée, nous ne soyons pas associés aux mauvaises personnes, mais que ta grâce nous permette de nous associer aux bonnes personnes.
Garde-nous du mal, Seigneur. Préserve nos vies du danger. Seigneur, ne permets pas au nom souverain de Jésus que nos vies soient attachées aux mauvaises personnes. Mais Seigneur, que ta grâce nous accorde la faveur d'être attachés aux bonnes personnes. Seigneur, la louange, la gloire, l'honneur t'appartiennent pour l'éternité. Nous prions que nos chemins ne soient point croisés par les chemins de mauvaises personnes. Que ton nom soit béni au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, Seigneur, te bénissons parce que tu es vrai. Tu es bon. Disons merci à Dieu. Si tu as fait cette prière avec foi, alors tout au long de cette journée, le Dieu que tu sers avec persévérance te conduira et il te gardera de faire de mauvaises rencontres. Toute mauvaise personne que le diable avait déjà programmée pour cette journée, nous venons de séparer nos chemins, le chemin de nos vies et de nos destinées de ces personnes-là. Désormais, le Seigneur Jésus-Christ lui-même choisira qui doit s'associer à ta vie. Ne te fâche pas après. Quand tu vas prier, quand Dieu va exaucer, tu vas te fâcher. Ne te fâche pas. Parce que Dieu lui-même va choisir qui va marcher avec toi. Donc c'est ça. Donc si tu tombes amoureuse d'un gars là, et puis Dieu dit que non, ça c'est pas mon choix pour toi, que Dieu éloigne la personne de toi, ne te fâche pas après que non, ne signe même pas l'indien derrière la personne. Laisse la personne partir. Le genre de prière, c'est quand tu l'as fait. Si tu vois quelqu'un te quitter, laisse la personne partir. C'est qu'elle faisait une œuvre cachée, maléfique dans ta vie. Et signe pas après. Ne reviens pas voir le prophète, que vraiment le prophète prophétise, qu'il revienne. Vraiment fait que non. Nous avons scellé dans le nom de Jésus-Christ toute bonne relation. Et nous avons décelé, ça veut dire toutes les mauvaises relations. Si quelqu'un est mauvais, go. Si il se retourne, il voit que tu vas dire ouais, ou pleurer, tu lui fais comme ça. Que bye bye, go. Continue. Vous comprenez? Donc que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Nous allons faire une autre prière à Dieu ce matin. Une prière importante aussi. Seigneur, rends-moi grand dans ma famille. C'est important. J'ai parlé de ça à l'église. Nous, on a commencé le séminaire à l'église hier. Et ça continue aujourd'hui sur les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Parce qu'après, tu vas te plaindre que non, vraiment, mes affaires ne fonctionnent pas. Tout ce que je fais est bloqué. Nous sommes dans la ville de Douala. On convoque les gens. Le Saint-Esprit convoque les gens pour libérer la richesse dans leur vie. Quand tu restes chez toi, c'est ton problème, mon frère. Après, quand tu vas nous voir réussir tout ça, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Ce n'est aucune sorcellerie. Donc, nous allons prier. Seigneur, rends mon nom grand dans ma famille et dans ma génération, comme tu l'as fait pour Joseph, pour Daniel, pour Shadrach, Meshach, Abednego et pour tous ces hommes qui t'ont servi, ces femmes qui t'ont servi. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus. Nous prions, Seigneur, rends mon nom grand. Rends mon nom grand dans ma génération. Rends mon nom grand dans ma famille. Rends le nom de mes frères, de mes soeurs grands, chacun dans sa famille et dans ses générations. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, tu es le Dieu qui donne la grandeur à tes serviteurs. Tu honores ceux qui t'honorent. Donne la grâce de t'honorer. Et honore nos milieux de nos familles, de ces générations. Seigneur, roule le vêtement de la honte loin de nos vies. Et accorde-nous la grâce de marquer cette génération, coûte que vaille. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Sors-nous de la honte, de l'ignominie, de l'obscurité dans laquelle le diable et la sorcellerie dans nos familles nous ont embrigadés. Seigneur, nous déclarons par l'autorité qui est dans ton nom que nous sortons de l'ombre, nous sortons de l'obscurité pour briller et régner avec Jésus-Christ. À toi la louange et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu as fait la prière avec foi. Alors Dieu vient de te sortir de l'ombre et de l'anonymat pour t'établir dans ta famille. Tu deviens une référence dans ta famille. Tu deviens une source de motivation. Dans ta famille, tu deviens un exemple à prendre. Dans ta famille, que Dieu te bénisse. Et que sa main forte et puissante soit ton partage au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous avez suivi la clim ici, la clim à l'hôtel ici, c'est un peu compliqué. Ça m'a pris. Donc, nous bénissons le Seigneur au nom souverain de Jésus. Nous disons merci pour cette journée. L'Éternel nous conduira, il nous gardera, il nous sauvera, il nous préservera. Il combattra nos combats. Dieu nous aime, mes amis. Dieu nous aime. Dieu t'aime d'un amour que toi-même, tu ne peux pas soupçonner. Tu penses que Dieu t'aime, tu crois que Dieu t'aime, tu ne connais pas de quel amour Dieu t'aime. Tu ne connais pas, je te dis la vérité. Le jour où le Seigneur m'a montré l'amour qu'il avait pour moi, j'ai pleuré. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle amour inconditionnel, non. Je voudrais, avant de commencer, présenter mes condoléances et les condoléances de notre communauté, la Congrégation Baptiste Camerounaise, paroisse Réma,
à la famille du docteur Chalay Somba, qui nous a quittés il y a cela quelques jours. Donc, mes condoléances aussi à son épouse et à toute sa grande famille et surtout à la grande communauté chrétienne Va et Raconte. Nous avons perdu un héros, nous avons perdu un baobab dans l'église du Cameroun. Personne ne peut effacer le nom de cet homme du livre des héros de l'église au Cameroun. Personne. Le nom Chalay Somba ne peut jamais être effacé. On en parlera. Même ses ennemis parleront toujours de lui. On en parlera, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Dans tous les cas, ce nom est un héritage pour l'église de Dieu au Cameroun et en Afrique. On en parlera. Donc, je voudrais dire à ceux qui ont pris cette occasion pour se moquer de cet homme ou de sa famille que vous êtes petit, vous êtes bas. Vous êtes bas dans vos esprits, vous êtes trop bas. Je pense que même si quelqu'un est ton ennemi, à partir du moment où la personne frappée par la mort, si du moins, toi tu étais au-dessus de la mort, c'est-à-dire que si on savait que tu ne vas pas mourir, déjà tu ne sais pas de quelle mort tu vas mourir, tu ne sais pas. Mes amis, vraiment, il y a des choses que j'observe dans l'église aujourd'hui, c'est-à-dire que les chrétiens sont devenus plus mauvais, ils persécutent plus les hommes de Dieu et l'évangile de Jésus dans ce pays que les païens eux-mêmes. C'est-à-dire que les païens qui nous persécutaient, eux-mêmes, ils ont vu la vraie persécution venant des chrétiens eux-mêmes. Ils se sont assis à côté, puis ils nous regardent, ils observent, ils sont étonnés. Ils disent, mais ce n'est pas possible, les gens, ils doivent se haïr comme ça entre eux. Non, sincèrement. Comment le malheur peut frapper quelqu'un? Et tu insultes la mémoire d'une personne décédée. Entre nous, si au moins toi, on était quand même sûr que tu vas pas mourir, d'accord, on comprendrait. Mais tu vas mourir. Et puis tu ne sais même pas de quelle mort tu vas mourir. Peut-être toi tu vas mourir comme un chien. C'est ça la vérité. Tu sais pas comment tu vas mourir. Peut-être ta mort sera l'une des morts les plus honteuses de ce siècle. Tu ne le sais pas. Au lieu d'être humble, pour que Dieu ait pitié de toi. Lorsque Balaam a vu Israël, il a vu la justice d'Israël, il a vu Dieu au milieu d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a convoité la mort d'Israël. Il a dit que je meurs de la mort du juste. Il a plaidé. Il a demandé, je veux mourir, mais d'une bonne façon. Vous voyez, donc, devons faire attention. L'église est devenue trop immature. Certains hommes de Dieu sont devenus trop immatures. On ne doit pas se réjouir du malheur d'autrui parce que tu ne sais pas comment ton demain sera. Apprenons. Vous voyez, apprenons cela. Et je voudrais finir en disant que personne n'est épargné par la mort. Tu ne sais pas qui ce sera demain. Peut-être toi-même qui célèbre sa mort, c'est toi qui vas partir demain. Qui sait? Peut-être ton sablier du temps est déjà presque vide. Et tu vas répondre des moqueries devant le Père des Esprits, des prophètes. Tu vas dire, pourquoi tu te moquais? Donc nous sommes allés très bas. Que Dieu ait pitié de nous, sincèrement. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et je voudrais dire, c'est une parenthèse, que les gens doivent comprendre la souveraineté de Dieu. Parce que certains hommes de Dieu veulent prendre ce fait pour lancer une certaine psychose dans l'église. Pour montrer aux gens que Dieu est en train de nous tuer. Dieu est en train de décimer ses serviteurs. Il faut faire attention. Non, il faut faire attention. Peut-être qu'il y en a qui tombent par le jugement de Dieu. Mais il ne faut pas aussi oublier que ça ne va pas empêcher que les gens meurent naturellement parce que leur temps est arrivé. Il ne faut pas mêler les pédales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comprendre aux gens qu'en fait l'église, dont nous qui avons cru au Seigneur Jésus et qui avons tout abandonné pour servir le Seigneur, parce qu'un chrétien faible est meilleur qu'un païen juste. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la vie de Dieu, la sémence, la parole de Dieu en nous, nous rend meilleurs que les païens, que ceux qui n'ont pas cette sémence en eux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ expliquera ce mystère en disant que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Christ, c'est-à-dire qui a l'évangile, celui qui a cru en l'évangile et qui le pratique, le plus petit qui a l'évangile qui le met en pratique, c'est-à-dire le plus faible, est plus grand que Jean-Baptiste qui n'a pas l'évangile en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il est question.
Donc vous n'allez pas faire croire aux gens et aux enfants de Dieu que, ok, nous qui avons donné nos vies au Seigneur Jésus, Dieu dont nous a rassemblés, il est en train de nous tuer. Tandis qu'il y en a des païens, il y a des païens qui volent, qui sont des adultères tous les jours, qui sont des sorciers. Dans la franc-maçonnerie, ils réussissent. Pourquoi Dieu ne les tue pas? Donc c'est celui qui s'efforce à être juste et qui a quelques faiblesses contre lesquelles il lutte que Dieu va tuer en laissant ceux qui sont des meurtriers, des voleurs, des adultères, ils couchent avec des femmes de leurs frères, des femmes de leurs amis, ils volent, ils sont corrompus, ils sont riches et ils vivent longtemps. Regardez le mal que Bill Gates est en train de faire au monde aujourd'hui. Mais il est riche et il vit longtemps. C'est un pécheur. Regardez le monsieur qui a Facebook, ce qui se passe aujourd'hui, les conspirations contre l'humanité. Mais il est riche, il est prospère. Est-ce qu'il vient dans nos églises là? Non. Est-ce qu'il prie dans ton église ou bien dans mon église? Non. Vous regardez ces gens, ces puissants de la terre. Voilà Vladimir Poutine. Combien de mandats déjà en Russie là-bas? Est-ce qu'il vient dans les églises? C'est quelqu'un, il ne croit pas en ça. Il ne croit pas en cela. Il ne vient pas dans nos églises. Mais on va dire donc quoi? Que Dieu bénit le pécheur et punit les justes. Mes amis, nous devons faire attention. Laissons Dieu faire les choses. Donc, si les gens ne doivent plus mourir dans l'église, les hommes de Dieu ne doivent plus mourir. Non, 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 écoutez, il faut faire la part des choses. La différence entre le jugement de Dieu et la mort naturelle des serviteurs de Dieu, c'est un homme. Docteur Charles Somba, c'est un homme. Ok, il a fait ce qu'il a à faire, il est parti. Jésus-Christ est mort, il n'avait pas l'âge du docteur Charles Somba. Il est son petit frère de loin. Mais on allait donc dire quoi? Que Jésus-Christ est mort tôt, donc c'est la malédiction. Jésus-Christ est mort, jeune. Donc, on va dire à ses parents que Dieu l'a frappé. Pour ceux qui étaient les ennemis de Jésus, ils diraient qu'on vous avait dit c'est un sorcier. Pourquoi il n'a pas vieilli? La même chose avec Jean-Baptiste. On dirait que voilà la famille là, ils sont venus. Jean est d'abord venu, son cousin est venu. On a coupé sa tête en plus même. Il est mort, la tête coupée. Comment on peut couper la tête d'un vrai serviteur de Dieu? Comment un vrai serviteur de Dieu peut mourir à 30 ans? Pendant que Jean-Baptiste est en train de mourir comme ça, là, la mort de Jésus-Christ était aussi dans quelques mois. Donc les gens pouvaient dire, ok, les deux familles, c'est les deux plus grands hommes de notre époque, c'est-à-dire Jean-Baptiste et Jésus, qui étaient de la même famille, qui étaient des cousins, sont morts. Ils n'ont pas dépassé 30 ans, ils n'ont pas atteint 35 ans, aucun d'eux n'a atteint 34 ans. Ils sont morts, jeunes. Donc les gens pouvaient dire, on vous avait dit non, vivre jeune, vivre heureux, mourir jeune. C'est pour ça qu'ils sont morts jeunes. Non, mais il faut faire attention. Les gens sont libres de penser ce qu'ils ont, mais ça n'empêchait pas qu'ils soient morts de la mort de Dieu et en leur temps, selon la mission que Dieu leur avait confiée. Donc l'Église doit être mature. Les hommes de Dieu doivent être matures. Ne profitons pas de la mort des autres, du malheur des autres, pour essayer de nous faire un nom, pour nous donner une réputation. Je crois que c'est de l'immaturité. De l'immaturité. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc je prie, nous prions pour son épouse. Maman Dédé Tchala, que le Seigneur la soutienne, que Dieu la fortifie. Donc, il faut qu'elle sache que il y a des gens qui les aiment, il y a des gens qui croient en l'œuvre que Dieu a établie à travers elle et son mari. Il y a des gens qui prient pour elle. Donc, nous vous aimons sincèrement. Nous prions pour vous. L'œuvre de votre mari, personne, même ses ennemis, ne peut pas l'effacer. Je ne pense pas, il nous faudra encore longtemps, longtemps. J'ai dit à quelqu'un hier que le docteur Charles Somba était pour le Cameroun, ce que Tibi Joshua est pour le Nigeria, était pour le Nigeria. C'était l'un des hommes les plus combattus, ou bien l'homme le plus combattu, l'homme dont l'onction était la plus controversée. Vous voyez, donc il faut faire attention. Aujourd'hui, il faudra des dizaines d'années à l'église au Cameroun pour avoir encore quelqu'un qui va faire l'œuvre qu'il a faite dans le domaine de la délivrance. On ne peut pas compter le nombre de familles qui ont retrouvé la restauration et la délivrance des esprits impurs et surtout de la puissance de la sorcellerie. Dieu a utilisé cet instrument. Donc, si un homme de Dieu ne te plaît pas, c'est pas pour autant qu'il est réprouvé devant Dieu. Dieu ne cherche pas à ce que ses instruments vous plaisent. Non. Il peut ne pas te plaire. Son caractère peut ne pas te plaire. Dieu l'a aimé comme ça. Dieu l'a pris comme ça. Dieu a les instruments de tout horizon. Ayant des caractères différents. La Bible dit que l'apôtre Paul écrit à Philémon, il lui dit qu'il faut dire aux esclaves d'être soumis à leur maître, même à ceux qui sont durs de caractère.
Ne dit serviteur, soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui sont durs de caractère. Donc il y a des hommes, chacun a son caractère. Et c'est ça qui fait la beauté de l'église, la polyvalence, la diversité des couleurs. Donc si un homme de Dieu ne te plaît pas, ses méthodes ne te plaisent pas, mais il plaît à son père, à son créateur, et ça va à son maître, à celui qui l'a envoyé, ça va. Chaque caractère d'homme de Dieu a sa place dans l'église et ça a un but à accomplir. Vous voyez? Donc c'est pour ça que Dieu bâtit chacun dans son caractère et il y a une espèce de brebis qui viennent. Il y a des gens qui ne peuvent jamais venir chez moi. Eux, c'est Dr. Charles Somba. Il y en a qui disent, ok, nous c'est Réma, on ne peut pas aller chez Dr. Charles Somba. Pourquoi? Parce que chacun est taillé par Dieu pour une catégorie de brebis bien précise. Donc c'est un peu cela. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Donc, que l'Église soit mature. Et je pense que j'en ai terminé. Que Dieu te bénisse. Donc, nous sommes à Douala pour le grand séminaire des hommes d'affaires, des travailleurs, etc. Dieu veut libérer les finances dans nos vies. Dieu veut donner à l'Église l'autonomie financière. Donc, si tu m'écoutes et tu es dans la ville de Douala, ne manque pas ce soir à partir de 17h. Nous lançons les hostilités. Vraiment, tu veux que Dieu te bénisse. Tu fais dans les affaires, tout ce que tu fais, c'est bloqué, tu sens que ça ne marche pas. Voici une occasion unique où Dieu veut libérer une onction supérieure dans tes finances et Dieu va bénir tes finances. Donc, c'est le deuxième jour, nous clôturons demain. Et demain, c'est le jour de la célébration, c'est un culte spécial pour ceux qui travaillent, pour ceux qui font le commerce, ceux qui sont dans le business, etc., qui ont des entreprises, qui ont des grands projets, etc. Nous voulons bénir ces projets devant Dieu et Dieu va susciter des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires au milieu de nous. Pourquoi c'est les mondains qui doivent réussir? Tels que nous qui sommes enfants de Dieu, qui nous battons pour nous sanctifier, pour plaire à Dieu, nous sommes en arrêt, il faut changer de mentalité. Il y a quelque chose que nous n'avons pas saisi dans le christianisme, comme je le disais hier à l'église. Donc, si vous êtes dans Douala, j'ai vu des gens voyager de Yaoundé pour venir faire ce séminaire ici à Douala. C'est une grande foi. J'admire leur foi. Donc, toi qui es dans cette ville, ne reste pas derrière. L'église est au quartier Ndogbon, derrière l'immeuble Kamlé. Et cette semaine, nous avons quelque chose de puissant. Jeudi, nous avons, c'est une semaine spéciale Douala. Jeudi, nous avons la grande conférence des bienfaiteurs. Nous allons clôturer ça. Tous ceux qui vont assister à ce séminaire, ne manque pas. Jeudi, viens montrer à Dieu ta loyauté, la décision de voir ta vie et ta famille changer par ton histoire, par ton témoignage. Dieu veut t'utiliser comme un instrument de grâce, de bénédiction pour apporter la restauration à ta famille. Donc jeudi, ça sera la conférence des bienfaiteurs à Douala. Et je te convie au nom de Jésus, ne manque pas, sois là. Et laisse Dieu te toucher, tu verras la gloire de Dieu. Dans tes affaires, on va prier. Tous les démons qui t'empêchent de réussir, on va briser ça. Dieu m'a mandaté pour cela. Je vous dis la vérité. La faveur de Dieu qui t'a manqué dans ton business, dans ton commerce, dans tes affaires, on va prier pour cela. Les sorciers qui ont fait des pratiques pour que dans ta famille, personne ne réussisse. C'est pour ça que je suis dans la ville de Douala. On va détruire tous les hôtels maléfiques. Je te donnerai les clés, les secrets pour réussir avec Jésus-Christ. Et tu verras ce qui va se passer. Donc, ne manque pas à cette grande conférence de bienfaiteurs ce jeudi. Et surtout à la clôture de la conférence des hommes d'affaires, des commerçants, etc. et des travailleurs qui aura lieu ce mercredi. Dieu agira. Hier, c'était fort. Hier, c'était terrible. C'est-à-dire que Dieu a changé nos mentalités. Les gens étaient bénis à un niveau où l'onction de Dieu était redoutable. Les gens ont été révolutionnés. Les gens pleuraient. J'ai vu les gens pleurer. Les gens prenaient conscience sur eux-mêmes. Parce que Dieu nous a amenés à prendre conscience. Ce matin, je vais te parler de quelque chose dans les finances que tu ne connaissais pas, la photosynthèse. On a vu ça hier, je vais revenir dessus, je vais un peu aller en profondeur. Et avant de te parler de la photosynthèse, cette semaine, nous avons le culte des plaintes à l'Éternel. S'il te plaît, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quelque chose qui te mécontente, quelque chose que tu sens que tu ne devrais pas vivre, une situation, dans ta vie, il y a des choses que tu sais que ça, ce n'est pas mon niveau, ça, ce n'est pas mon sort ici. Et tu veux qu'il y ait changement dans ta vie, dans ta famille, viens te plaindre devant Dieu. À Yaoundé, ce sera à partir de 7h30, à la Bire, en Kwaban. Quand vous arrivez au Carrefour, Kwaban, demandez juste que vous allez à la Bire, du culte des plaintes. Ce sera ce dimanche. Et à Douala, ce sera à partir de 16h en soirée. Le culte des plaintes, c'est quoi? Ça se passe tous les 3 mois. Nous venons avec tous nos enfants, les bébés, à la maman, nous présenter devant Dieu. Première chose, je vais présenter toute ma famille devant Dieu. Pour renouveler mon alliance, que l'Éternel est mon Dieu et que je n'aurai point d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. C'est ce que nous appelons la Shema Israël. Dis Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim est un. Donc nous disons à l'Éternel qu'il est notre Dieu et le Dieu de notre famille et le gouverneur de nos vies.
Nous renouvelons cette alliance de marcher avec Dieu et de ne servir que l'Éternel et l'Éternel seul. De ne point invoquer les noms des dieux des nations qui nous entourent. Deuxièmement, nous venons renouveler notre engagement de marcher avec Dieu. Nous et nos familles, selon ce qui est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Disons à Dieu, désormais, Seigneur, moi et mes enfants, nous marcherons dans tes voies et j'enseignerai ton nom à mes enfants. Troisième chose, nous venons plaider, présenter nos prières, nos cris vers notre Dieu, intercéder pour nos familles. Seigneur, il y a telle chose que tu avais promise, accomplis-le. Seigneur, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, Seigneur, fais fonctionner. Donc nous venons crier à Dieu pour nous et pour nos familles. Et Dieu nous exaucera. Notre Dieu nous exaucera. Et pendant ce culte, toutes nos maladies, tous nos fardeaux, nous les déchargeons devant Dieu. Donc si vous êtes malade, il y aura prière spéciale pour tous les malades, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala. Tu ne continues pas dans l'alliance de cette maladie. Dieu va briser toutes les fondations de sorcellerie, de maladie, de blocage, etc. Nous prions contre ces choses. Voilà pourquoi il y aura des formats ouin avec des stylos ouin. Quand tu arrives, tu prends ton stylo ouin par lequel tu écris ta plainte. Les formats ouin seront mis gratuitement à ta disposition. Tu écris tes sujets de prière là-bas, tes plaintes à l'Éternel. Et je mettrai les genoux dessus. Nous crierons à l'Éternel et Dieu nous exaucera du haut des cieux. Il y aura aussi l'eau ouin qui sera gratuitement distribuée, qui va nous permettre d'entrer dans la communion avec l'eau qui est sortie des côtes du Seigneur Jésus, parce que le mystère de l'eau dans le christianisme est grand. L'apôtre Jean a dit, il n'est pas venu avec du sang seulement, mais aussi avec de l'eau. Donc il y a la place de l'eau dans ta vie pour épurer ta vie, qui est le symbole de la purification, le symbole de l'épuration. Ça veut dire que toute souillure que le diable a introduit dans ta vie, symboliquement cette eau sera là pour apporter la purification. Dieu passera par cette eau pour nous purifier et nous séparer de toutes mauvaises choses, de toutes choses impures dans nos vies, sur le plan spirituel, physique, etc., etc., etc. Donc, c'est une occasion extraordinaire où nous revenons devant l'Éternel, chaque famille avec son offrande de consécration familiale pour bâtir un autel qui parle devant notre Dieu, qui criera contre tout autel bâti dans nos familles par les sorciers. C'est pour cela que l'offrande familiale devient très importante pour chaque famille qui veut se consacrer à notre Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur. Il faut te préparer. L'offrande familiale, ce n'est pas là que tu vas chercher une offrande, quelques pierres rapidement pour aller devant l'Éternel. C'est pas comme ça. Non. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc, et je pense que c'est Jérémie quand il dit. Donc, il faut préparer dès maintenant. Dès maintenant, tu prépares une offrande, tu prépares ta famille et tu t'habilles en conséquence comme quelqu'un qui vient rencontrer son Créateur. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, c'est une semaine bénie. C'est la plus grande semaine de notre ministère. Ne manque pas, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je t'invite à ne pas manquer ce dimanche. Et comme tu viens, la grâce de Dieu sera avec toi. Alors, revenons sur la photosynthèse. Maintenant, on va parler de la photosynthèse. Donc, hier, j'essaie d'expliquer aux gens à l'église que, en fait, nous sommes très en arrière. Nous sommes en arrière. Je vous dis la vérité. Mes frères, nous sommes en arrière. Je leur ai dit que regardez l'église. Nous n'avons pas le contrôle sur le monde. Et Dieu nous a montré quelque chose de très important. Dieu a dit à Samuel, lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, et qu'il a dit, va ouindre. Samuel devrait ouindre David. Mais lorsqu'il a vu Eliab, il a été trompé par l'apparence d'Eliab. Il a été trompé par l'apparence d'Eliab, mes frères. Et donc, il va vers Eliab, il veut verser l'huile qui est destinée à David sur Eliab. Et Dieu lui dit non. Et si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait oint Eliab, roi d'Israël, par erreur. Pourquoi? À cause de l'apparence. L'apparence. Mes amis, les chrétiens d'aujourd'hui ont oublié l'importance de l'apparence. Et Dieu donnera donc la leçon de l'apparence au prophète Samuel en lui disant, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc tu es saint, c'est vrai. Tu pries beaucoup, c'est vrai. Mais nous, on ne connaît pas ça. On ne peut pas voir parce que c'est dans ton cœur. Ta relation avec Dieu, ton amour pour Dieu, c'est dans ton cœur. Seul Dieu peut voir ton cœur. Nous, ce qui nous impressionne, c'est l'expression extérieure de ta personnalité. C'est ta personnalité. C'est ce que la représentativité que tu dégages. J'ai dit au frère hier, regardez, vous arrivez, quand on vous regarde, quand vous avez le costume, non, quand vous arrivez avec les babouches quelque part, les sandales coupées, vous arrivez dans un bureau, on va vous chasser. Vous revenez encore avec le costume dans le même bureau. On va vous accueillir. On va vous respecter. Pourquoi? L'habit que tu mets sur toi donne l'impression que les gens ont de toi.
Ça peut modifier en bien ou en mal l'impression. Si tu t'habilles en exposant certaines parties de ton corps en tant que femme, les gens diront c'est une prostituée. Si tu t'habilles en guenilles et en lambeaux, les gens diront c'est un fou. Si tu t'habilles en dame, ça veut dire que tu as ton ensemble dame là, les gens diront elle est mariée, pourtant tu es célibataire. Donc, les gens ont une image de toi d'après ce que tu portes sur toi. Les gens disent que l'habit ne fait pas le moine, c'est très faux. C'est pas une vérité totale. Quand on dit l'habit ne fait pas le moine, non, l'habit fait le moine. Parce que comment je sais que le moine est moine, c'est lorsqu'il est dans la soutane. Si le moine a la chemise, je ne peux plus savoir qu'il est moine. Donc pour dire que ce que je vois porter le moine me fait savoir que c'est un moine. S'il ne porte pas la soutane, je ne peux pas savoir que c'est moine. S'il met la soutane, je sais que c'est moine. Pour montrer que l'apparence est très importante. Maintenant, le christianisme est devenu la sorcellerie aujourd'hui. C'est-à-dire que les chrétiens, j'ai dit à l'église que j'ai mal et je pleure. Je pleure sur les chrétiens. Je pleure pourquoi? Parce que j'ai compris que le problème de l'église aujourd'hui, je parle du Cameroun et puis de l'Afrique, c'est l'aliénation des mentalités par un évangile qui ne répond pas au canon biblique. Un évangile qui ne respecte pas la volonté, c'est-à-dire que l'expression de la pensée de Dieu. On nous prêche un faux évangile. On prêche un faux évangile. Regardez par exemple, vraiment, je suis désolé. J'ai compris que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'entre nous, c'est nous d'abord la raison de ce problème dans l'église. C'est nous qui induisons l'église, les fidèles, dans l'erreur. Vous voyez? C'est vrai. À cause de quoi? Parce qu'à cause de l'analphabétisme biblique parmi les hommes de Dieu. Nous prêchons l'évangile sans comprendre ce que nous prêchons. Et lorsqu'un homme de Dieu n'a pas bien saisi le sens du message qu'il donne, c'est possible qu'on te donne une mauvaise nourriture. C'est possible qu'on te donne une prédication hérétique, une prédication empoisonnée. Et tu vas la pratiquer et au fil des ans, peut-être sur place, tu ne verras pas la conséquence des faits sur ta vie, mais au fil des ans, le temps où tes yeux s'ouvrent, mais mon ami, ta vie a été catastrophée. Ta vie a été ruinée. Elle a été détruite. Elle a été démolie. Elle a été gangrenée. Elle a été mildiouzée. Donc, il faut restructurer l'évangile que nous prêchons. Il faut revenir en arrière. Pourquoi je dis ça? Vous-même regardez autour de vous, dans nos églises. Combien sont riches? Combien sont puissants? Pourquoi nous sommes méprisés? Combien s'en sortent? La plupart. J'ai dit hier à l'église que quand je suis arrivé, j'ai regardé dehors. Je n'ai vu presque aucune voiture garée. Mais ça montre l'état financier de l'église. Il y a des hommes de Dieu qui enseignent qu'acheter la voiture, c'est mauvais. Il y a des hommes de Dieu qui enseignent que fréquenter même, c'est mauvais. Il y a des hommes de Dieu, il y a une de mes filles, son pasteur lui a dit, elle voulait faire le concours de l'ENAM. Son pasteur lui a dit, ne fais pas l'ENAM, c'est mauvais. C'est du diable. Mes amis, c'est la sorcellerie, ce n'est pas l'évangile là-bas. Ce n'est pas l'évangile. C'est dans quel modèle biblique qu'on tire ce genre d'enseignement qu'on donne aux gens? Non, ne fais pas le commerce, ne fais pas les affaires. Ne cherchez pas trop les richesses de la terre. Mais après, les mêmes pasteurs vont vous demander la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, il insulte ton père, il insulte ta mère, il te dit que tu es voleur. Parce que celui qui ne paye pas la dîme est un voleur. Mais tu as dit aux gens de ne pas aller travailler. Ils vont donc trouver l'argent ou pour venir donner la dîme. Dieu même n'est pas fou. Lorsqu'il demande les offrandes, et l'homme ne se présentera pas devant ma face les mains vides. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit cela pourquoi? Parce qu'il sait qu'il t'a donné l'argent, il t'a béni. Il te bénit d'abord avant de te demander l'offrande. Dieu ne demande pas l'offrande à quelqu'un qui n'a pas béni. Donc il y a une médiocrité. Les enfants, dans l'église, quand quelqu'un est intelligent à l'école, quel est païen, dès qu'il arrive dans nos églises aujourd'hui, on lui enseigne d'abandonner ça. Et je leur ai dit, le taux de chômage s'est beaucoup accru dans nos églises. Il y a trop de taux de chômage au Cameroun. Mais dans l'église, dans nos églises, encore, le taux de chômage s'est encore accru. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent, quelqu'un qui travaillait, il vient à l'église, on lui dit, abandonne ton travail, Jésus t'appelle à son service. Dieu t'appelle à son service. Mes amis, donc Dieu ne peut pas t'appeler pendant que tu travailles. Tu peux travailler et tu sais Dieu. Tu peux être un ambassadeur, tu sais Dieu. Tu peux être un commerçant, tu sais Dieu. Tu peux être un homme d'affaires et tu es homme de Dieu en même temps. Tu peux avoir tes affaires, tes business et tu sais Dieu en même temps. C'est ce qu'il fallait dire aux gens. Joseph d'Arimathée était un homme d'affaires, mais il était serviteur de Jésus. La femme de Souza, Souza était un proche du gouverneur romain, l'intendant, le ministère des Finances du gouvernement romain. Les apôtres ne lui ont jamais dit qu'il faut démissionner. Non. Ou dit à sa femme, dis à ton mari de démissionner. C'est un homme politique.
C'est un homme politique, c'est un politicien. Parce que nous savons que ces personnes étaient des sénateurs. Hein? C'était un sénateur dans le gouvernement romain. Mais les apôtres n'ont jamais dit à sa femme que voilà ton mari sénateur qu'il abandonne la politique. C'était des hommes politiques, mes amis. Mais Joseph d'Arimathée était un homme politique. Il influençait la politique et financièrement, il était assis. Mais bien aimé, d'où vient donc cet évangile de médiocrité aujourd'hui? Et quelques années après, quand vous faites le bilan aujourd'hui, c'est normal. Les élèves viennent, ils ne fréquentent pas. 10 ans après, ils seront des gros chômeurs dans la nation et des consommateurs. Ils ne produiront rien. Et puis, la Bible nous a avertis en disant que la sagesse même du pauvre est méprisée. Nous sommes dans un monde capitaliste. Tu n'as pas l'argent, tu ne parles pas. Ceux qui fréquentent arrivent, on dit à un élève intelligent qui avait de l'avenir. Ce qui les parents ont investi des centaines de milliers de francs, c'est pas pour son éducation. Parce qu'il rêvait voir l'enfant s'y sortir de leur famille de la pauvreté, ce qui est normal. L'enfant croit, il entre dans nos églises, on dit à l'enfant que Dieu t'appelle dans son service, abandonne les études et concentre-toi, va à l'école biblique. L'enfant va à l'école biblique. Il a arrêté les études. Il n'atteint pas le but que ses parents avaient pour lui. Il n'atteint pas le but que Dieu avait pour lui. Et il n'atteint même pas le but que l'église avait pour lui parce qu'il va échouer même dans le ministère. Il devient un homme de Dieu, même médiocre. Il ne s'en sort pas. Il faut faire attention. Une belle fille arrive, elle est à l'église. Le pasteur lui dit que tu es ma femme. Dieu m'a prophétisé que tu es mon épouse. À la fin, il vit avec la femme, il commence à coucher avec la pauvre et puis il ne l'épouse pas. Il la met de côté. Une deuxième arrive encore, lui dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Il prend la fille, il la met. Ainsi, nous prenons en otage les destinées, nous détruisons nous-mêmes les destinées des brebis que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiées. C'est une lourde responsabilité que d'être homme de Dieu. Il faut faire attention. Donc, à la fin, c'est quoi? C'est, on se moque de nous. On se moque de nous. Je suis allé dans une réunion de pasteurs. Je leur ai demandé que, ok, regardez. Parmi nous, qui a un préfet, un sous-préfet dans son église? Il n'y avait personne. Qui a un préfet? Il n'y avait personne. Qui a un gouverneur? Personne. Qui a un ministre? Personne. Je leur ai dit, ça devrait être une honte. Nos enfants vont dans l'école, pourquoi? Parce qu'ils vont à l'école, à un certain niveau, on va leur dire, arrête l'école, le Seigneur t'appelle à son service. Et les parents, parfois même, sont complices. Oui, vas-y, abandonne tout pour servir le Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tout abandonner pour servir le Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à cela. Il faut dire aux gens, à la jeunesse chrétienne de travailler, aux nos parents de travailler. Donc, ça a donc mis une espèce, on a apporté un faux évangile, une mauvaise interprétation de la Bible aux gens, leur faisant croire que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Paul a dit que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Donc, tu vas aller, tu te couches. Seigneur, pourvoir tous mes besoins dans ta chambre. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pourvoir tous mes besoins. Seigneur, pourvoir. Fais-le vite, Seigneur. Fais vite. Au nom de Jésus, je suis pressé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et on attend. Les chrétiens pensent que le christianisme, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Et écoutez, hier, j'ai dit à l'église que Dieu m'a posé une question hier matin quand je sortais pour aller où je partais. Le Seigneur m'a posé une question sur la richesse de Salomon. Et j'ai partagé ça avec l'église hier. La Bible dit que Salomon était l'homme le plus riche. Il a été tellement riche que personne avant lui ni après lui dans la Bible n'a été autant riche. Pourquoi? Sa richesse venait de qui? De Dieu. Sa richesse venait de Dieu, mes amis. Et Dieu m'a donc dit hier que ma richesse, la richesse de Salomon, c'est moi qui la lui avais donnée. Mais est-ce que c'était des cantines d'argent que je faisais descendre du ciel pour donner à Salomon? Non. Salomon était un homme d'affaires sans pareil. Dans la Bible, il n'y a plus jamais eu d'homme d'affaires de la carrue de Salomon. Personne. Salomon avait une industrie d'armement. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Lisez Salomon. Lisez le livre des rois, des chroniques des rois d'Israël. Salomon avait c'est l'un des premiers rois qui développe une industrie d'armement à lui-même pour son armée. Il fabrique des boucliers. Il fabrique des boucliers en or, des boucliers en argent, des boucliers en bronze, en airain. Il fabrique des chars. Donc, c'est un exportateur de chars de guerre. Il a même fabriqué des machines de guerre à son époque. Quelqu'un qui a une industrie d'armement, et à cette époque, mes amis, vous savez ce qu'un char revenait, à combien ça revenait lorsque Salomon vendait un char. Et en plus, Salomon, le roi Salomon, avait des industries de fabrication de navires qui mettait à disposition d'autres nations qui pouvaient utiliser ça à but commercial ou militaire. Le roi Salomon que vous connaissez là. C'est de là que son argent venait.
C'est un travailleur, mes amis. C'est un bosseur. Le gars rêvait. Le gars avait des idées. J'ai dit à l'église que la richesse, ce n'est pas la sorcellerie. Reste là à prier. Dieu ne viendra jamais faire ce que tu dois faire à ta place. Salomon pensait. Et il reste. Il dit, il me faut fabriquer des navires. Il lance une industrie de navires. Il fabrique des navires. Il vend ses navires à d'autres nations. Il a des milliards. Voilà comment il devient multimilliardaire. Et comme si ça ne suffisait pas, il utilise une partie de sa flotte. Parce qu'on parle de navires à cette époque, vous transposez ça à notre époque, ça veut dire qu'il faisait des yachts, il bâtissait des navires de guerre, des porte-avions, etc. Vous imaginez, quelqu'un de cette carrure dans cette génération aujourd'hui, personne ne sera riche comme cet homme. Dieu le bénissait, mais à travers son travail, à travers l'œuvre de ses mains. Il ne restait pas dormi comme ça, il cantait, les anges descendent avec l'argent. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils croient de Dieu. Et c'est une mauvaise façon de penser le christianisme. C'est une très mauvaise façon. Hormis cela, Salomon avait une partie de cette flotte-là, de ces navires-là, allait à Ophir. Il avait des mines d'or à Ophir. Et Ophir était la ville ou le pays où l'or était le plus prestigieux. Il avait des navires qui partaient à Ophir, ramenaient de l'or en Israël, il exportait aussi dans d'autres nations. Hormis cela, Salomon a travaillé sur la botanique. C'était un grand agriculteur. Il avait des grands champs investi dans l'agriculture énormément. Hormis cela, Salomon faisait dans l'élevage. Voilà pourquoi quand il faisait une offrande à Dieu, c'était au moins 1000 bœufs qu'il offrait, 1000 brebis, 1000 taureaux qu'il offrait à Dieu. Il faisait des milliers et des milliers. Pourquoi? Parce qu'il avait des ranches partout. Des bœufs, des moutons, etc. Des chèvres, partout. Il élevait. Il était dans l'élevage. Salomon a fait dans l'écriture. Il écrivait des livres qu'il mettait à disposition. Parce que la Bible dit qu'il a écrit plus de 1001 cantiques, 1005 cantiques. C'était un écrivain en même temps. Vous voyez, le même homme, et je peux continuer à vous multiplier. Il a fait la botanique. Il a étudié la plante, la science de la plante. Ouais. Donc Salomon a tellement investi dans tous les domaines où il trouvait qu'il fallait investir. Il le faisait. C'est cela que dans Ecclésiaste, il dit, tout ce que ta main trouve à faire sous le soleil, fais-le. Il était l'incarnation lui-même de ce qu'il disait. Mais les chrétiens d'aujourd'hui parlent ceux comme eux, il n'y a pas. Et nous attendons que Dieu, et tu rêves que tu seras grand. Tu ne peux pas être grand sans travailler. Regardez, c'est où j'ai expliqué la photosynthèse hier à l'église. J'ai dit aux frères, aux bien-aimés, je parle vraiment, je veux que vous m'écoutiez. Mon cœur saigne. Quand je vois la médiocrité, le taux de chômage élevé dans nos églises aujourd'hui, je pleure. Je prie. L'opération que je lance ici, opération révolution dans l'église du Cameroun, dans l'église de Dieu en Afrique, mes amis, après 10 ans, ça doit produire. On doit avoir des gouverneurs, des présidents de la République. On doit être capable de décider et changer les décrets d'une nation. Voter des lois. On doit avoir des gens qui votent des lois. On vote les lois contre nous parce que nous n'avons personne là-bas. J'ai pris une plante hier. J'ai dit qu'on m'apporte une plante. On a porté une plante. Et j'ai pris cette plante. Et j'ai monté cette plante. Et nous avons lu dans Matthieu. Le Seigneur Jésus-Christ expliquait Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ses fleurs. Et Jésus-Christ dit que les fleurs ne moissonnent pas et ne travaillent pas. Ne sèment pas et ne moissonnent pas. Mais Dieu les revêt. Et j'ai expliqué que lorsque Jésus-Christ parle de la plante, il dit que Dieu les revêt. Il faut comprendre une chose. Dieu, il dit que Dieu nourrit la plante. Dieu revêt la plante. Et j'ai expliqué à l'église que c'est un langage. Comme Dieu m'habille, Dieu me nourrit. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui coud mes habits. Ou que c'est Dieu qui va au marché acheter, choisir mes habits. C'est Dieu qui me vêtit, ça veut dire qu'il met à ma disposition ce qui est nécessaire pour me vêtir. À moi maintenant d'aller vers ce nécessaire, le prendre, le transformer pour être vêtu. Bon, comme tout ça, c'est Dieu qui me donne la force, la santé, pour le faire, la capacité, l'intelligence, tout ça. C'est lui qui me revêt, mais il ne faut pas négliger le fait que pour me revêtir, il faut que moi-même, j'aille vers l'habit, que je porte l'habit, que je mets sur moi, que je boutonne mon habit, des choses que Dieu ne fera pas à ma place. Je leur ai donc montré que la plante que Jésus-Christ dit, qu'elle ne sème ni ne moissonne, mais Dieu la revêt. Il faut que vous sachiez une chose, il y a un sous-entendu dedans. Il n'y a pas un homme qui travaille comme la plante. Et c'est là que j'ai expliqué la photosynthèse. Les plantes que vous voyez, mes bien-aimés, ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les plantes, les fleurs que tu vois la fleur, tu la piétines. Je vous dis la vérité, aucun homme ne travaille comme les fleurs. Personne ne travaille comme ces plantes. La photosynthèse, c'est quoi? C'est que quand vous prenez une plante, la plante est formée des feuilles, c'est-à-dire des branches-feuilles, il y a le tronc,
Et puis il y a les racines secondaires et la racine pivotante, qu'on appelle encore la racine principale. Alors, de jour comme de nuit, la plante fait ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? Les racines de la plante dans le sol vont tirer de l'eau, dont la formule chimique est H2O. Donc, les racines vont tirer de l'eau et les feuilles vont recueillir les rayons du soleil. Première chose, les rayons du soleil et vont aussi recueillir le gaz carbonique dont la formule chimique est CO2, le CO2. Et puis, il y aura une synthèse de ces choses-là pour fabriquer les molécules de sucre qui vont être transformées en ce que nous appelons la serve, qui formera des nutriments qui vont remonter à travers le tronc nourrissant la plante pour aller dans les feuilles. Donc, pour que la feuille ait la serve, pour qu'elle mange de la serve, qu'elle jouisse du goût laiteux de la serve, la feuille se rassure de recueillir le rayon du soleil, d'absorber le gaz carbonique pour relâcher l'oxygène ou le dioxyde d'oxygène. Vous voyez? Et la racine, elle aussi, est en train de travailler. Elle absorbe de l'eau du sol. Et puis, tous ces éléments sont réunis dans la plante pour former ce qu'on appelle les nutriments, qui vont, ou bien la matière organique, qui va nourrir la plante. Donc, pour que la plante vive, mes amis, elle travaille jour et nuit. Et la photosynthèse chez les plantes chlorophylliennes, ça veut dire à chlorophylle, c'est tous les jours, c'est jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Donc, la plante que tu vois croître là, sa croissance vient de Dieu, mais dépend à 100% d'elle. La croissance de l'arbre, la plante ou l'arbre, tous ces arbres que vous voyez là, travaillent jour après jour pour se nourrir. Et toi qui es enfant de Dieu, tu ne veux pas travailler. C'est un problème. Si les plantes travaillent comme ça, pour se nourrir, vous vous imaginez, les plantes sont intelligentes. Elles vont filtrer les rayons X du soleil. Parce que les rayons du soleil, il y a au moins 7 rayons de soleil, vous voyez. Quand vous voyez le rayon soleil arriver sur la Terre, il y a 7 rayons qui nous parviennent. Et vous savez que la lumière du soleil fait 8 minutes pour arriver jusqu'au sol, jusqu'à notre planète sur la Terre. Donc on a par exemple les rayons ultraviolets, on a les rayons X, on a les rayons gamma, on a la lumière vive ou bien la lumière visible, vous voyez, et bien d'autres rayons qu'on a. Donc, on a les émanations du radium, etc. Donc, tous ces rayons-là arrivent, la plante sélectionne les bons rayons pour elle. Quelle intelligence! Elle travaille, les feuilles travaillent. Et puis, elle capte les bons rayons et les feuilles captent le gaz carbonique et puis emmène ça dans la plante. Et puis, les racines aussi sont en train de puiser de l'eau en longueur de jour et de nuit pour nourrir la plante. Et c'est ça qui permet à la plante de grandir. Donc, comme pour dire quoi? La plante, pour être plante, se rassure d'avoir trois éléments. On a le CO2, c'est-à-dire on a le gaz carbonique, on a l'oxygène, on a le gaz carbonique, on a la lumière et on a l'eau. Hein? Donc, comme pour dire quoi? Si la plante travaille, toi qui es enfant de Dieu, tu veux dire Seigneur, rends-moi riche au nom de Jésus. Seigneur, fais-le, rends-moi riche. Et tu ne peux pas travailler. C'est un problème. C'est pour cela que nous avons une génération de médiocres, des chrétiens mendiants, de plus en plus qui s'accumulent dans nos églises. Tu vois un jeune homme, une jeune fille, elle veut mettre les mèches de 100 000. Elle veut mettre les silver roses de 300 000. Je ne sais pas si elle, vraiment, c'est une façon de parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais va lui dire de travailler, elle refuse. Dis-lui, va être bonne dans une maison, va être bonne dans la maison là. On dit, une soeur s'élève à l'église, elle dit, ok, je veux une bonne à la maison. Je veux lui payer 60 000 par mois ou 100 000 francs par mois. Et puis tu regardes la soeur qui t'avait demandé les mèches ou qui t'a demandé l'argent. Elle dit que papa, je n'ai même pas l'argent pour acheter le savon pour faire ma toilette intime. Je ne peux pas acheter Citéal. Et puis tu penses à la soeur, tu lui dis, voici une opportunité. Tu vas voir ta fille, tu lui dis que ma fille, voici la maman, si elle veut une fille pour aller travailler chez elle, va. Elle te répond que tu m'as bien regardé. Tu me demandes d'aller faire ça. Elle méprise ça. Que moi, si. Toi qui? Même l'argent pour faire ta toilette intime, tu ne peux pas sortir ça. Tu es qui? Toi, tu es qui?
Moi qui, tu sais de quel bois je me chauffe, tu me demandes d'aller être bon dans la maison de quelqu'un. Tu sais ce que mon père était ou bien ma mère était. Ce que ton père était, ta mère était. Pourquoi tu demandes donc l'argent pour acheter Citéal? Même si tu te chauffes avec le Bibinga ou bien l'Iroko, ou mon problème, ou bien le bois de Ben, c'est ton problème là-bas. Nous sommes orgueilleux dans zéro, paresseux. Va commencer par là. La Bible dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les affaires d'autrui, qui vous confiera vos propres affaires? Va là-bas. N'oublie d'abord l'orgueil, laisse l'orgueil de côté. Va travailler comme bonne dans cette maison. Dieu serait en train de te former. Tu ne sais pas si Dieu est en train de te former pour te montrer comment on tient une maison. Demain, quand tu seras marié, avec les connaissances que tu as reçues dans la maison de Potiphar, tu sauras bien gérer l'Égypte. Joseph ne pouvait pas bien gérer l'Égypte s'il n'avait pas bien géré la maison de Potiphar. C'est là qu'il apprend comment gérer l'Égypte. C'était l'Égypte en miniature. Ce que Dieu te montre à faire, commence par là. Moi, j'ai vendu les CD. Maintenant, tu vas venir, tu me demandes 100 000, je ne te donne pas. Et c'est parti de ce qu'une soeur m'a demandé l'argent à l'église, qu'elle va acheter les lunettes. J'ai dit, je ne donne pas. Tu as tes deux pieds. Tu es une belle fille. Tu es en santé. J'ai dit, non, mais il faut faire attention. Viens me demander plutôt 5 000. Que je vais acheter les arachides, je vais griller, je vais prendre mes boîtes de tomates là, je rassemble ça, je lave ça, j'achète mon plateau de 800 francs, et puis je grille les arachides, je m'assois au bord de la rue. Si tu viens, je vais te donner l'argent pour ça. Mais si tu penses, je vais te donner l'argent, va acheter les lunettes. Demain, tu viens me dire que tu veux l'argent pour acheter Vitex. Demain, tu viens m'acheter, tu veux l'argent pour que j'ai acheté la jupe, parce que ta jupe est déchirée, tu vas aller ramener sur ta taille. Ne venez pas chez moi, je ne vous donnerai pas. J'ai participé à tuer beaucoup de destins de jeunes dans le passé, parce que j'ai voulu aider les gens. J'ai voulu faire être plus bon que Dieu. C'est-à-dire que Dieu prend un jeune homme, il veut le former. Il prend une jeune fille, il veut la former à l'humilité, la briser, la préparer comme Joseph. La faire commencer par les bas-fonds pour monter vers les hauteurs. Et toi, tu viens dans le désert, tu viens avec l'hélicoptère, tu portes la personne, tu pars avec elle. Tu pars là, j'étais loin là-bas. Tu la parachutes là-bas devant. Ou bien tu viens avec le TGV, tu prends la personne. Je ne peux plus jamais mettre des hélicoptères à disposition des gens. Moi, quand j'ai souffert, personne n'est venu avec la bicyclette pour m'aider, me raccourcir le chemin, mettre 3 km. Jamais, les gens m'ont abandonné. Personne ne m'avait jamais offert 100 000 francs de toute ma vie. La plus grosse somme que quelqu'un m'a donnée, c'est 50 000. Donc, j'ai poireauté dans mon désert et j'ai fait le temps que je devais faire dans mon désert. Mais aujourd'hui, nous aidons les gens à ne plus faire le temps dans leur désert. Tu prends quelqu'un, tu le jettes à Dubaï. Il est du désert à Dubaï directement. C'est même pas là-bas que Dieu l'envoyait. Donc c'est dangereux. Je ne peux plus aider quelqu'un qui a la capacité. Moi, j'ai fait le bambé. J'ai dit au jeune frère, la fierté que tu auras de l'argent que tu as eu par la sueur de ton front, pas de tes fesses. La fierté que tu auras de cet argent, mes amis, c'est différent de l'argent que tu n'as pas travaillé. L'argent a la valeur quand tu sais comment tu as souffert pour avoir ça. C'est là que tu connais la valeur de cet argent. Donc nous avons une jeunesse paresseuse. Une jeunesse qui manque de vision aujourd'hui. Une jeunesse qui ne veut pas travailler, mais qui tend toujours la main, qui est mendiante. Et quiconque contribue encore à rendre incrédule cette jeunesse-là dans la paresse. La fermer dans la paresse. J'ai fait le Benskin ici à Douala. C'est pour ça que quand j'entre dans la ville de Douala, les Benskineurs savent que ça c'est un ancien Benskineur au volant, je conduis, je passe en mode Benskineur. Parce que si à Douala, avec c'est les voitures qui ont peur des motos. Moi, quand j'entre, les motos ont peur de ma voiture. Bah, quand je viens, la manière dont je conduis là, les Benskineurs, oh oh. Les Benskineurs savent. Ils savent que ça, c'est un ancien Benskineur. Je l'ai fait. J'ai marché dans les marchés, porté les sacs des mamans. Et je sortais par jour comme ça avec 500 francs. Mais c'est quand même une fierté. Ou parfois avec 1000 francs. Je l'ai fait. J'ai dit qu'à Garoua, moi, j'ai mangé dans les poubelles. On mangeait dans les poubelles. Je partais au marché parce qu'il n'y avait pas. Nous, dès l'enfance, on nous a appris la valeur de ce base. De ne pas dépendre des gens. Je partais dans le marché. Je vois, tiens, les avocats. Ils te disent, ok, donne-moi les avocats. Je vais les vendre. Et puis, je te ramène. Et la personne me dit, tu prends deux avocats dedans. Ça te revient. Ça va? Tu viens? Donc, je prends deux avocats. Je vends deux avocats. Et puis, ça fait que je mange. J'ai du quoi manger. Donc, il faut comprendre, mes amis, la responsabilité, les chrétiens ont perdu le sens de la responsabilité. Dans nos églises, les mendiants sont comme ça. Une soeur vient te visiter, elle te demande l'argent. Un frère vient te visiter, il te demande l'argent. Bon, si celui à qui tu demandes de travailler pas toi, il allait prendre pour te donner. Lui qui a réussi là, il a deux têtes. Quand tu vois ta tête là et sa tête, c'est différent. C'est vrai qu'il y a quand même une petite différence, mais il faut faire attention. Hein? Donc,
C'est une honte de vivre aux dépens des gens. Arrêtons d'être des parasites. Arrêtons d'être des mendiants. Tu fais les enfants, c'est les autres qui vont envoyer tes enfants à l'école. C'est les autres qui vont faire ceci ou bien faire cela. Non, il faut travailler. Tu n'as pas, mais tu veux choisir le travail que tu vas faire. C'est l'orgueil. Et l'orgueil dans zéro. Nous, on a travaillé, on a fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer pour être indépendant financièrement. C'est aussi pour cela que personne ne peut dire que le prophète Kalim Ferdinand venait chez moi, c'est moi qui le nourrissais. Bien, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours cru en l'honneur. L'honneur, c'est de se battre toi-même. Mes amis, va. Mais si votre travail comme bonne dans la maison de quelqu'un, ma soeur, n'est pas honte, commence là-bas. Dieu va t'élever là-bas. Dieu va t'élever. Mais s'il faut, rentre au champ. Tu fais la culture. Sois cultivateur. Nous, on a fait la culture. J'étais cultivateur. J'avais mon champ de patates. Va, fais ton champ. N'aie pas honte. Fais-le. S'il faut aller au marché en Koulouloun, tu t'assois. Tu vends tes habits à la sauvette. Fais-le, ma soeur. Il faut commencer quelque part. C'est un honneur. Le travail, c'est un honneur. L'honneur est dans le travail. La magie, la vraie magie, c'est le travail. Ce n'est pas le moukouagne. Donc, cette responsabilité, les chrétiens l'ont perdue. Donc on a dans nos... L'église est devenue un asile de chômeurs et de mendiants. Des mendiants plus dangereux que ceux qui sont dans les rues là-bas. Parce que dès que tu as quelque chose, tu as un peu les moyens dans nos églises, il y a des gens qui te calculent. Ils te calculent. À la fin du jour, après, oui, bonjour maman, bonjour ma soeur. Oui, vraiment, après, c'est ta maison, c'est où? Oh, tu n'as pas lavé ta face. Tu as dit bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, tu vois, quand tu as un peu les moyens, quand tu arrives dans nos églises, qu'est-ce que les gens font? On t'approche. Ah, un temps, deux records, comme ça. Chacun te pose les problèmes. Tel te pose les problèmes, tel te pose les problèmes, tel te pose les problèmes. Si toi, tu étais donc paresseux comme eux, à qui devrait poser les problèmes? Il faut faire attention. Tu devrais avoir honte d'aller demander l'argent à quelqu'un qui a de la même nature que toi. Un jeune homme comme toi, une jeune femme comme toi. Tu es chez toi, tu ne fais rien. Il y a tellement de choses que tu peux te créer. Assez de maïs, écoutez. Dernièrement, j'étais en train de rentrer chez moi et à quelques mètres de ma maison, j'ai vu une jeune fille, peut-être qu'elle devait avoir 16 ans. Elle était assise avec son frère et elle brisait le maïs. Waouh! J'étais à pied. J'étais sorti de la maison faire un tour. Quand j'ai vu, j'ai pris un maïs ou deux maïs. J'ai mangé, je suis arrivé à la maison et je suis revenu. Je lui ai dit, ok. Tous les maïs là, ça fait combien, Mathieu? C'était 4000 combien? Je suis revenu. Quand je suis revenu, je lui ai dit ceci. J'ai de l'admiration pour les jeunes qui se battent. J'ai de l'admiration pour eux. Et j'ai donné une somme d'argent que je ne veux pas partager avec vous. Une bonne somme d'argent. Je lui ai dit de bien restructurer maintenant son business. Et j'ai ramassé tout le maïs qu'elle avait. Je suis parti. Je lui ai dit rentrer se reposer. Et je vais lancer cette opération. Pour soutenir les jeunes gens, pas dans l'église, je vais sortir, je vais aller dehors, je vais lancer une émission spéciale, je sors les samedis, je marche, quand je vois un jeune qui se bat, je lui donne un capital pour qu'il continue, pour l'encourager. Devons encourager la jeunesse, pas dans la paresse, mais à travailler. Donc c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est une jeune étudiante, certainement, mais elle s'assoit, elle n'a pas honte, elle vend son maïs 50, 100 francs, 50, 100 francs, à la fin de la journée, là c'est 2000 francs, ou là c'est 3000 francs. Tu multiplies ça fois 30, ça fait 90 000 francs par mois. Elle peut payer ses écoles, ses études avec. Elle peut se payer son CITEAL. Elle peut se payer son FEITEX avec. Donc, elle ne dépend de personne. Elle travaille de ses propres mains. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que chacun travaille de ses propres mains pour pouvoir à ses besoins et aux besoins des autres. Mais si tu vis pour que les gens pourvoient tes besoins, ça c'est un mauvais évangile. C'est les conséquences de l'évangile qu'on nous a appris, le mauvais évangile qu'on nous a prêché. On n'a pas dit aux chrétiens qu'il faut travailler. On n'a pas dit aux chrétiens qu'il faut fréquenter. On n'a pas dit aux chrétiens, sortez et battez-vous. Si on avait enseigné ça il y a cela 30 ans, 20 ans, aujourd'hui, on aurait des milliardaires dans l'église. Je vous dis la vérité, on aurait des milliardaires. On n'a pas surveillé les études de nos enfants pour nous rassurer qu'ils aillent jusqu'à l'agrégation, pour qu'on ait des professeurs dans nos églises, des gens qui vont influencer aussi les décisions qui vont être dans l'État, dans le gouvernement. C'est-à-dire pour représenter l'Église dans toutes les sphères de la société. C'est ce qu'il fallait prêcher aux chrétiens. C'est ce qu'il fallait dire à nos églises. Et nous n'avons pas dit cela. On a dit que Jésus revient bientôt. Il ne faut plus fréquenter. Jésus-Christ revient bientôt. Non, vraiment, il ne faut plus travailler. Jésus revient bientôt. Et même quand quelqu'un, par exemple, était païen, il avait une industrie, par exemple, d'alcool. Il vendait la bière. Quand il arrivait dans nos églises, on lui dit, ferme ton business. Ne fais plus cela.
Il faut faire attention. Dieu savait qu'il vendait l'alcool en l'appelant. On a mal géré ces choses. Il fallait plutôt l'aider avec des conseillers techniques dans ce domaine-là en investissement pour qu'il réoriente son business, il le reconvertisse dans d'autres domaines et qu'il varie son business. On devait l'aider dans ce sens-là. Mais on n'a pas fait cela. Nous, les hommes de Dieu, on vous a fait beaucoup de mal. Vous-même, parfois, vous êtes toc-toc. Vous voyez, on a fait du mal à beaucoup de personnes. On a arrêté la carrière florissante de beaucoup de personnes. On a arrêté l'avenir glorieux de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, leur avenir s'est arrêté. Le jour où ils sont entrés dans nos églises, au nom d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel n'est pas un pacte avec la médiocrité ou bien la pauvreté. Mes amis, Jésus lui-même en partant nous a laissé un testament dans lequel il est clairement dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située au sommet d'une montagne. Ça ne vous dit rien? Jésus voulait dire que nous devions être les meilleurs parmi les hommes. Aujourd'hui, d'où vient-il? Toute cette grande médiocrité qui caracole et chevauche autour des chrétiens. Je pleure pour l'église dans mon pays. Je pleure pour l'église dans mon Afrique. Je prie que d'ici 10 ans, cette sémence que tu viens d'écouter ce matin produise dans ta vie une mesure inestimable de prospérité et de richesse. Et que dans ta famille, tu deviennes grand comme Joseph, puissant comme Daniel, riche comme Salomon et David, dans le nom souverain de Jésus. Que tu influences même le gouvernement de ton pays, comme Abraham, Isaac, Jacob, comme Joseph d'Arimathée. Que cette grâce repose sur toi. Laisse-moi prier avec toi. Que Dieu te donne un réveil, qui réveille ton esprit, qui réveille l'esprit de son église, et que les gens sortent chercher le travail, que les gens sortent fréquenter. Que nos enfants, notre jeunesse qui avait arrêté l'école, reviennent dans la voie de l'école. Parce que nous comptons sur vous, vous êtes la pépinière de l'église de demain. Étends ta main, s'il te plaît, laisse-moi bénir ta vie. Laisse-moi prier que les choses, les grâces qui ont été endormies dans ta vie, par un évangile qui est venu t'hypnotiser, non te réveiller, que ces grâces soient en même encore ressuscitées dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, je prie pour ton église. Je prie pour ta vaillante armée, pour mes frères et mes sœurs, dans le monde entier, pour tous ceux qui sont connectés maintenant et pour ceux qui seront connectés après. Quel esprit révolutionnaire tombe sur nous. Quel esprit révolutionnaire tombe sur nous. Que ton église devienne la lumière du monde, le sel de la terre, une ville située au sommet d'une montagne. Que nous soyons la tête et non la queue, les premiers et non plus jamais les derniers. Seigneur, soyons riches et non plus mendiants. Que la grâce de Dieu soit manifesté dans ta vie et que Dieu te donne la révélation du chemin de ta richesse au nom souverain de Jésus de Nazareth. J'ai prié. Amen. Je bénis ta journée partout où tu iras. Que Dieu te rende prospère, qu'il te rende riche. Nous avons besoin de ça. On a besoin de ça. Ton église a besoin de ça. Ton Dieu a besoin que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois premier et non dernier. Que tu sois en haut et jamais en bas. Au nom souverain de Jésus. Telle est la prophétie qui t'accompagnera tout au long de cette journée. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain. Dès qu'il sera 6h à la même heure. Et ta journée est bénie. Et tous ceux qui sont à Douala et dans les environs. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h à Ndokbon derrière l'immeuble Kamlay. Et jeudi, conférence des bienfaiteurs, toi qui es en ligne, qui veux renouveler ton engagement avec Jésus, jeudi, je ferai ta conférence le matin ici. Prépare-toi avec ton argent, ta sémence, et tu vas faire ton transfert. Que Dieu te bénisse. Et dimanche, culte des plaintes à l'Éternel. Sois la tête et non la queue, soit en haut et non en bas, soit cette ville située au sommet de la montagne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu dis bye-bye? Bye-bye. Voilà.